le placebo est un grand incompris. Quand on ne lui attribue pas des vertus quasi magiques, on le cache sous le tapis. Et en définitive, bien souvent, on ne sait juste pas de quoi on parle. Il faut que ça change. Générique. L'effet placebo. En gros, c'est tout ce qu'on voit se produire chez un patient à qui on donne un médicament qui ne contient rien. Ça ne veut pas dire que le rien en question a un effet. Ça veut dire qu'autour du rien, il y a en fait beaucoup de choses. C'est pourquoi il est préférable de parler d'effet contextuel, au pluriel, et d'abandonner le mot placebo que personne ne comprend vraiment. Un traitement efficace possède un effet spécifique auquel s'ajoutent les effets contextuels. Ça fait longtemps qu'on les étudie. On les connaît bien, le charisme du soignant, le tarif de la séance, le temps qu'il nous accorde, le nombre de questions qu'il nous pose, une préparation plus colorée sont autant de facteurs qui améliorent le ressenti du patient. Le problème, c'est que lorsqu'on avale un cachet dénué d'effet, et qu'ensuite on se sent mieux, on en conclut naturellement que c'est grâce au traitement. Notre cerveau ne peut pas ne pas voir spontanément ce lien de causalité. C'est plus fort que nous, hein. C'est dingue, hein. Aller mieux grâce à un effet placebo, ça n'est pas insultant. Ça n'a rien à voir avec votre niveau d'intelligence ou de culture. J'irai même plus loin et je ferai une confession. Quand j'ai mal à la gorge, je me sens soulagé quand je prends ceci. C'est de la lysopaïne. Alors rassurez-vous, ce n'est pas un placement de produit, parce que je dois ajouter que la lysopaïne n'a pas fait la preuve de son efficacité. Jusqu'à preuve du contraire, le seul effet qu'elle produit, c'est un effet placebo. Et c'est pas grave. Mais alors, comment expliquez-vous que je me sente soulagé? Eh bien, je suis comme vous. Je suis sensible à certaines formes de suggestions. Et je continuerai sans doute à prendre l'isopaïne, parce qu'une partie de moi ne voit pas au nom de quoi je renoncerai à me sentir soulagé. Mais sincèrement, je préférerais avoir un produit qui fait réellement le job. Donc mieux qu'une pastille de sucre. Sinon, autant abandonner toute confiance dans ce qu'on nous vend en pharmacie. Parce que c'est ça, le véritable enjeu du placebo. À qui peut-on faire confiance? Humains que nous sommes, des millions d'entre nous vont donc défendre l'efficacité de tout un tas de choses qui ne marchent pas, parce que nous sommes sous l'influence d'une illusion logique qu'il est impossible pour nous de ne pas prendre pour la réalité, par définition. Donc rien à voir avec la bêtise ou la folie, c'est juste que nous sommes tous les heureux propriétaires d'un cerveau humain qui, dans certains contextes, arrive à des conclusions fausses. C'est pas grave, mais c'est faux. Les illusions logiques fonctionnent un peu comme des illusions d'optique. Prenons l'exemple des tables de Shepard. Sur l'image figurent deux tables. Nous voyons tous que la table de gauche a une forme plutôt étroite et allongée, alors que la forme de droite est plus proche d'une forme carrée. Bon, maintenant, ne gardons que la forme de leur surface. Quand on les compare, on constate que ces formes sont parfaitement superposables. Ces dessus de table ont la même forme. De retour dans le contexte de départ, dans l'image, pourtant, on a du mal à voir, voire il est même impossible de voir ces deux parallèles épipèdes tels qu'ils sont. On a beau savoir que l'illusion existe, elle persiste. Ça peut paraître dingue, mais en fait, c'est parfaitement normal. Ne pas voir ces deux formes telles qu'elles sont n'est pas un signe de faiblesse ou de stupidité. C'est juste la conséquence du mode de fonctionnement normal de notre sens de la vue qui est efficace pour reconnaître des objets en trois dimensions, pas des formes géométriques à plat sur un écran. Il en va de même avec notre sens de la logique, qui est adapté à la détection de liens de causalité et pas à chercher des trucs dans les contextes. On peut donc aboutir à des certitudes illégitimes. Ben, souvenez-vous, ça peut paraître dingue, mais en fait, c'est parfaitement normal. Pour savoir si un médicament, une cure, un traitement en général marche, en faire l'expérience personnelle, mesurer l'effet sur soi, est la plus mauvaise méthode possible en raison des biais cognitifs. Et là, je vous renvoie vers le travail qu'on fait sur la chaîne, ça s'appelle la tronche en biais. Ça s'invente pas. Oui, mais sur moi, ça marche. Bah évidemment, si tu n'y crois pas, ça n'a pas d'effet. Fais un effort. J'y croyais pas trop. L'autre jour, j'ai essayé. Ça m'a soulagé.
Comment peut-on expliquer qu'on ait parfois l'impression que ça marche ? Arnica, Passiflora, Nuxomica, Micapanis et j'en passe. Où est l'illusion ? Imaginons, j'éprouve une forte douleur quelque part. On me donne le cachet X et au bout de 20 minutes, je me sens mieux. Tout ce que j'ai conscience de savoir, c'est la séquence suivante. 1. J'avais mal. 2. J'ai pris un cachet. 3. Je me sens mieux. J'aurais tendance, comme vous, à faire l'inférence suivante. C'est parce que j'ai pris le cachet que je vais mieux. En plus, j'ai eu raison. Donc, je suis content de moi, ça me rassure, je me félicite. Et pourquoi pas ? Après tout, pourquoi pas ? Le problème se situe dans tout ce que je n'ai pas conscience de ne pas savoir. Et ça fait un paquet de choses, on va regarder quelques exemples. J'ignore ce qui se serait passé si je n'avais pas pris le cachet. Comment contrôler mon observation ? J'ignore si j'ai bien identifié la cause de ma douleur. J'ignore si le cachet est censé agir sur un élément qui est réellement lié à ma douleur. J'ignore si je mesure objectivement l'intensité de ma douleur. J'ignore si le fait d'avoir avalé un cachet n'a pas modifié la manière dont je perçois mon état en vertu de l'attente que j'ai de cet acte. J'ignore si la gentillesse de la personne qui m'a conseillé ce cachet ne m'a pas calmé, rassuré, ce qui a pour effet que je pense moins à ma douleur. J'ignore si je n'ai pas oublié que 2 heures plus tôt, j'avais avalé un médicament ou subi un traitement qui pourrait être la véritable cause de la disparition de ma douleur. J'ignore des trucs. J'ignore trop de choses pour que mon expérience personnelle m'apporte des raisons de penser que je sais ce qu'il s'est passé. La chose est vraie pour toutes les histoires qu'on me rapporte et dont j'ignore en plus si les événements n'ont pas été modifiés entre le moment où ils se produisent et celui où on m'en parle. Prudence. Et puis, il y a le cas des douleurs chroniques. Une douleur articulaire récurrente, par exemple, provoque des crises qui sont cycliques. La douleur apparaît, elle s'accroît, elle atteint un palier, puis elle diminue ou disparaît. Plus tard, elle revient et hop, tout recommence. Si au moment du palier, je prends un cachet, je vais sans doute avoir envie d'attribuer au cachet la diminution de la douleur qui se serait produite de toute façon. C'est une illusion qu'on appelle post hoc, ergo propter hoc. Non, mais c'est du latin, c'est pas grave. Ok ? Le placebo, c'est l'effet bien réel que le contexte très complexe autour de moi produit sur la manière dont je ressens mon état de santé. Le placebo est un outil précieux, il faut l'employer honnêtement pour maximiser le bien-être des malades. Bon, très bien, mais si on commence à le confondre avec un effet réellement dû au cachet, alors on va alimenter des croyances fausses, on va encourager des raisonnements erronés, et surtout, on informe mal le patient. Ce qui est contraire à la déontologie médicale. Point. La déontologie, Charles. Non, oublie, on verra plus tard. Dans le monde de la recherche, où on porte des blouses blanches, on a appris à mettre au point des protocoles pour écarter les effets contextuels et isoler, et donc mesurer, l'effet spécifique d'une pratique de soins. Ces protocoles impliquent un certain nombre d'exigences, outre un effectif suffisant pour pouvoir généraliser les résultats, on utilise le double aveugle, des groupes contrôle et la randomisation. Pour mesurer si X est efficace contre une maladie terrible comme le hoquet, je vais donner X à des gens qui souffrent du hoquet. Mais si leur hoquet s'arrête, je n'ai rien prouvé puisqu'il est parfaitement possible que le hoquet s'arrête tout seul. Donc il me faudra comparer ces patients à d'autres patients, c'est mon groupe contrôle, à qui je ne donne pas le médicament que je veux tester. Ce groupe contrôle, je dois le traiter exactement de la même manière que le groupe qui reçoit X. Cela implique de ne pas leur dire que je ne leur donne pas le médicament X, pour être sûr que les éventuelles différences soient exclusivement dues au médicament et pas au contexte. Je leur donne donc le même cachet, appelons-le P, qui est composé d'exactement la même chose que X, sauf qu'il ne contient pas le principe actif que je veux tester. Les membres des deux groupes ne savent pas ce qu'il y a dans le cachet que je leur donne, et ils sont donc dits aveugles. Mais ce n'est pas suffisant, car si moi je sais qui a reçu quoi, il y a un risque réel que mon comportement, malgré moi, soit différent avec un groupe ou avec l'autre, et que je produise des effets contextuels. En plus de quoi, je peux interpréter, sans le vouloir, de manière biaisée les événements, c'est l'effet expérimentateur. Il y a donc double aveugle, et c'est très bien, quand le chercheur ne sait pas non plus ce qu'il donne aux patients.
Le dernier paramètre, la randomisation, est plus technique, mais en gros, vous allez comprendre facilement que pour tester si X est efficace, il serait hasardeux d'avoir un premier groupe constitué d'athlètes sélectionnés pour les Olympiades, et en face, un groupe de tuberculeux kakoshim. Il faut randomiser. Il faut produire deux groupes qui soient similaires, donc homogènes en termes de sexe, d'âge, d'état de santé, de niveau socio-économique et de tous les paramètres qui pourraient influer sur les résultats. On veut que la seule chose qui change entre les groupes, ce soit X. Ces précautions méthodologiques, cruciales, on ne peut pas les prendre dans la vie quotidienne. Personne n'est équipé pour, même un médecin qui est sur le terrain tous les jours. Et parce que nous ne disposons pas de ces précautions, nous ne devrions pas conclure trop fermement sur ce que nous observons du monde qui nous entoure. Je me répète, notre expérience personnelle, la mienne comme la vôtre, est biaisée. Conclure à partir de données incomplètes en oubliant qu'elles sont incomplètes, ça conduit à ce qu'on appelle le biais du survivant. J'en parle dans cette conférence, pour ceux que ça intéresse. Les croyances que nous avons sur l'efficacité de certains traitements ne sont ni plus folles, ni moins critiquables que les croyances de ceux qui concluent à des visites extraterrestres à partir de ce qu'ils pensent avoir vu. Les mécanismes en jeu dans le cerveau des croyants, des témoins, sont les mêmes. Autour du placebo, on entend des déclarations très affirmatives et pourtant fausses. Ça soigne les bébés, donc ce n'est pas du placebo. Les bébés réagissent évidemment aux soins qu'on leur apporte. Si vous donnez un médicament dont vous pensez qu'il est efficace à votre bébé, votre comportement change, vous êtes rassuré d'avoir apporté un soin, et vous l'influencez, ce qui fait que il peut se montrer plus calme. Si le bébé se calme, vous en inférez que c'est parce que le médicament a agi. Ça soigne les animaux, donc ce n'est pas du placebo. Des recherches ont mis en évidence l'existence d'effets placebo chez l'animal. On en trouve chez les rats, les chiens, les lapins et les chevaux. Il existe un article de revue paru en 1999 par Macmillan. En clair, votre animal est sensible à votre comportement. Et il est sensible au conditionnement d'une prise de médicaments. Je vous rappelle que Pavlov avait montré un truc du même genre. Ça n'est pas nouveau. Mais il y a plus important à comprendre encore. C'est que le placebo n'est pas seulement un phénomène qui se passerait dans la tête du malade. Ça soigne les plantes, donc ce n'est pas du placebo. Pour que cet argument ait du sens, il faudrait que les effets contextuels concernent uniquement la psyché de la personne qui reçoit le médicament. Si tel était le cas, alors ok, évidemment, aucun placebo ne peut être attendu chez un géranium ou chez un palmier. Mais voilà, le placebo se trouve aussi dans l'œil qui regarde, dans l'effet expérimentateur. C'est pour ça que certaines personnes croient que la musique classique est bonne pour leurs plantes. La preuve ? Plus ils font écouter de musique classique à leurs plantes pendant qu'ils en prennent soin, plus les plantes se portent bien. Alors, ces gens ont-ils de bonnes raisons de détecter un lien de causalité entre la musique et l'état de leurs plantes, selon vous ? En médecine, le placebo est partie prenante de tous les actes de soins, même les plus efficaces. Nous n'avons donc pas besoin d'administrer de faux traitements pour produire des effets contextuels. Le placebo n'est donc pas un argument pour défendre l'homéopathie. Et ce, pour une bonne raison sur laquelle je voudrais finir. Parmi tous les facteurs qui constituent les effets contextuels, il y en a un qui prime et qui conditionne les autres, c'est l'effet lié à la confiance qui s'installe entre le soignant et le soigné. Prescrire un médicament qui ne possède pas réellement les propriétés thérapeutiques qu'on lui attribue, cela revient à mentir, à infantiliser le patient. Un médecin qui ment à son patient perd le droit d'inspirer confiance. Et c'est tout le dispositif qui en pâtit. Une bonne compréhension des effets contextuels et du concept de placebo permet de ne pas se laisser berner par des arguments qui cherchent à faire croire qu'un traitement inefficace a en réalité un effet. Un médicament qui marche, c'est, par définition, un médicament qui a plus d'effets que le placebo. Et ensuite, et c'est hyper important, le meilleur moyen de maximiser le placebo, ce n'est pas de refiler une fausse pilule, c'est de consolider le lien de confiance. Donc c'est le contraire de donner un faux médicament. Conséquence, l'homéopathie est une mauvaise manière d'exploiter le placebo. L'homéopathie ne doit pas son succès à son efficacité, mais d'une part à une incompréhension sur ce que c'est que le placebo, à certaines particularités de son histoire et, en bonne partie, au culot rhétorique monstrueux de ses défenseurs. Nous allons nous pencher sur l'arsenal des arguments employés pour cette défense dans le prochain épisode.
bientôt. La déontologie, Charles. Attends, j'arrive. Oh, là.